Comment elle fait flipper la chétane. Je ne sais pas si je dois ajouter de la vinaigrette ou de l'eau bénite. Regarde-moi ça, la tête de mort. Hey, comment ça va mes sphères? C'est SNS. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'impossible de ne pas exploser de rire. Et aujourd'hui, on va se balader sur internet et on va essayer de ne pas rigoler. Ça va être impossible. Allez, c'est parti. Bureau McDonald's. Allez, enfoirés. Genre le mec tranquille, il bosse au McDo. Fait ses comptes tranquille au McDo. Chacun son kiff. Demoiselle d'honneur. J'aimerais bien voir les mêmes. Alarme et le café du matin. Oh, comment que c'est trop ingénieux. Eh, sur ma vie, je veux le même réveil. Je kiffe le café. Et le thé. T'imagines, t'es tranquille en train de dormir et tout, tu te réveilles. Paf, il y a un café de prêt. Eh, je suis sûr qu'il y en a plein qui se réveilleraient à l'heure s'ils auraient cette alarme. Je vais la commercialiser, tiens. Ah, je te jure, elle est trop bonne celle-là. Ma femme m'a quitté il y a un mois, c'est elle là-bas. Parce que les tortues sont tellement lentes. J'espère que vous avez compris d'ailleurs. L'histoire du petit chaperon rouge. Dans cette version de l'histoire, c'est le petit chaperon rouge qui mange le loup. Allez, mal. Non, franchement, moi je dis psartek. Franchement, psartek. Elle chope n'importe quel mec qu'elle veut. La bouffe mexicaine. Le mec il a fait un paix kamehameha. Les attentes vs la réalité. Ouais. Cool toilette. C'est une trop bonne idée. Ah j'avoue, comme ça tu joues pas le match. J'aime le Canada. Moi aussi. En plus, c'est vrai, je kiffe le Canada, le Québec, surtout le Québec, Montréal. J'aimerais y aller un jour d'ailleurs. Charles. C'est une blague. Le mec, il se rase dans l'attraction, elle a tient le miroir. Quelqu'un pour expliquer à cette demoiselle que c'est pas comme ça qu'on fait un selfie. Les filles le savent, quand on se met du cutex sur les ongles de doigts, ça dure 3 jours. Mais quand on s'en met sur les ongles d'orteil, ça dure 7 ans. Tabarnak. Ouah, comment que c'est trop bien fait. C'est des paraboles et il y a un mec qui l'a fait genre que c'est des télescopes. Franchement, chapeau. La Joconde Fitness. Ouais, pourquoi pas. Je te jure. Il y en a, ils ont des délires dans leur tête. Comment ça peut leur venir cette idée, franchement? C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui a ramené un bouc dans le bus ou une chèvre, tu penses ce que c'est? Minecraft style. Comment il arrive à voir? J'espère que dans les petits carrés noirs, on peut voir à travers. Instagram parfait. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le mec a encore une photo de lui en train de sourire? What the fuck? C'est un scooter qui est en haut sur la cheminée. Comment il est arrivé là? La mode. Que c'est moche. Oups, perdu son téléphone. Tranquille la meuf. Il conduit les jambes croisées. Ah, super natural. Ma série préférée. Surnommée Surnaturel au Québec. En train de faire le Holy Water Bucket Challenge. Sam et Castiel. Prenez-moi, je suis toute seule. Ah, j'avoue, la classe. Ah, il me faut ça, sérieusement. Plongeur. Eh, franchement, je vous avoue, je vais vous raconter un délire. Je dois être bizarre. Et quand j'étais petit, c'était un kiff. Mais un kiff de prendre un bain de mousse dans une fontaine. Je vous jure. Je sais pas, c'était mon kiff. Ah ouais, je sais, j'avais des kiffs bizarres. La boulette. Mais c'est plus une boulette, là. Regarde-moi la route. Le truc, on dirait un bonbon réglisse. Tu vois les roulés réglisse. Biscuit vagin. Et pourquoi faire ça? Selfie. Ils sont sérieux. Il a volé le show. C'est pas possible. Ils se sont trompés. Oh, pas mal. Une demande en mariage originale. Beautiful Eloise, will you marry me? Avec des roses et un verre coca. Elle a dit ouais, et elle prend un petit verre de coca tranquille, posé. J'ai tellement faim. J'ai plus faim. Il a bouffé le pastèque. Ne regarde pas l'objectif. J'essaye. Idiot. On m'a dit que je pouvais devenir ce que je voulais. Alors je suis devenu un train. Ma chérie, selon mon avis, tu devrais mettre plus tes lèvres en valeur. Comme ça, ça va. Franchement. Je pense que mon ange gardien est comme ça quand il regarde ma vie. Je te jure. On a le même ange gardien. On a tous nos priorités. Un héros sauve toujours sa bière. Putain, il est déterminé le mec. Putain, il tombe dans l'eau, il reste comme ça.
J'ai montré à mon oncle comment utiliser Photoshop, il m'envoie ça une semaine plus tard. Genre plein de lui qui court ce qu'il en géant. Ah, n'empêche, c'est trop bien fait, hein, ça remonte. Chapeau. C'est trop ça. Les filles, qu'est-ce que nous voulons? Maigrir! Et comment nous voulons faire? Sans sport, en mangeant de la pizza, des pains au chocolat, une petite raclette et en buvant du coconut. Ah, je te jure, elle est pas mal. Mange ce que tu veux, quand tu veux et autant que tu veux. Et si quelqu'un te critique par rapport à ton poids, mange-le aussi. Là où j'aimerais aller en vacances, là où je peux aller. Comment perdre 50% de notre poids? Il a pas tort. Hein. Bonjour, voulez-vous danser le flamenco avec moi? Tu cherches l'homme de tes rêves? Ben, va dormir. Comment vous pensiez que je faisais la vaisselle? Le chien me dit que tu as consommé de la drogue. T'es en train de me dire que ton chien te parlait et puis c'est moi qui prends de la drogue. Le copilote est HS. Une vraie amitié. Ce mec s'est déguisé avec différents costumes pour attirer l'attention sur lui et non pas sur son meilleur ami obèse qui était gêné d'aller à la salle de musculation. Franchement, c'est un beau geste. Quand on me demande de choisir entre l'amour et la nourriture, je ne réponds pas parce que je mange. Comment résister quand elle te regarde comme ça? Des pâtissiers? Oui, mais j'ai tiré la feuf. Je vous laisse méditer là-dessus. Caradoc, qu'est-ce que t'en penses de cette dernière blague? C'est de la merde. Voilà mes frères, c'était terminé. Dites-moi sur les réseaux sociaux quel a été votre moment préféré. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.